Hello, ocean lovers. This is a summary of what is happening on the French Riviera and Monaco to preserve the ocean, the climate, and to use space satellites to have a better overview. For a little bit TikTok atmosphere, you get an insight in the Oceanographic Museum with the fish tanks. Enjoy that. And it's a serious thing for 2025. The UNOC conference, United Nations Ocean Conference, will be in Nice. It's a great event. Thanks for joining. Je remercie également le département des relations extérieures, représenté ici par Mme Rosa Benetto et Mme Maggie Macario, pour tout l'engagement qu'elles font au sujet du sujet spatial. Donc Monaco s'arme en termes, je dirais, de gouvernement, en termes de partenariat pour être présent sur le spatial. Monaco s'arme aussi sur les sujets spatiaux. Nous avons l'entreprise, j'ai un satellite, MonacoSat, nous avons Orbital Solutions, qui est le satellite. Nous avons la chance d'avoir un champion, Venturi Astrolab, qui est aujourd'hui basé entre Monaco et les États-Unis, qui développe une technologie innovante, allant jusqu'à des partenariats avec la NASA. Alors on emploie toujours le terme tyrannie des profondeurs et des distances, parce que la France a affiché cette ambition dans un partenariat international de protéger la haute mer. Et la vraie question, c'est comment avoir les outils pour répondre à cette mission extrêmement importante. What's next, e-bike living Eco Sun Village for digital nomads? No cars, but e-cargo bikes for Green Village Factory. Battery repair, e-bike, all your jobs. No plastic, but green products assembly. Garden fruits, vegetables, community eatery. De ces eaux territoriales métropolitaines classées en aire marine protégée.
Seulement, dans les faits, seulement 0,1% de ces zones sont aujourd'hui réellement protégées et gérées. Un territoire maritime qui est assez extraordinaire parce qu'il concentre globalement tout ce que les pressions anthropiques peuvent exprimer sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Et ça fait maintenant 60 ans que, probablement plus, mais en arrondissant à 60 ans, que la mer Méditerranée est mise sous pression et toutes les problématiques qu'on peut aujourd'hui, que les scientifiques constatent en Méditerranée, sont des problématiques qu'on va retrouver ailleurs sur la planète, et qui sont les témoins des ravages que l'on peut directement constater, voire de nos propres yeux dans le fond. Et en même temps, on peut voir des écosystèmes se régénérer facilement dès qu'on retire de la pression anthropique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème qui est global. Ce 8 juin, il est intéressant parce que on démarre depuis quelques jours le 15e mois consécutif des records de température des eaux de surface de l'océan à l'échelle globale, et la Méditerranée est particulièrement touchée. Il y a un écart qui est drastique entre la population de poissons qu'on peut retrouver dans des zones protégées et dans des zones à forte affluence comme la rade de Villefranche. Moi, à ma toute petite échelle, c'est ridicule, ça fait 10 ans que je plonge, j'ai remarqué... C'est pas ridicule. Non, mais c'est ridicule dans le sens, à l'échelle d'un écosystème, 10 ans, c'est rien du tout. Et j'ai constaté qu'effectivement, je vois de moins en moins de poissons, la biodiversité disparaît peu à peu. Moi, vraiment, quand je plonge à Villefranche, j'ai l'impression qu'il y a une bombe nucléaire qui passe. C'est vraiment un petit peu à ce point. Alors, concevoir qu'on doit manger des poissons ou pas, c'est de l'ordre émotionnel de chacun, bien sûr. Mais à l'échelle civilisationnelle, il faut comprendre que nous sommes des animaux et que nous devons avoir un accès aux protéines. En tout cas, c'est ma position. Et la pêche, si elle est raisonnée, ne participera certainement pas, comme peuvent le dire les chasseurs ou les pêcheurs, à une régulation. La nature est bien plus forte que nous là-dessus. En revanche, on peut limiter l'impact et avoir un prélèvement halieutique qui soit raisonné et durable. Donc avec différents stands. Et Julie Gauthier, donc notre apnéiste, qui est encore en train de faire du plogging en apnée. N'hésitez pas à nous rejoindre, à venir découvrir tous ces stands, à passer de l'autre côté des barrières afin de découvrir tout ceci. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en notre compagnie. Avec une création. Nous sommes là toute la journée, en ce moment même, donc notre démonstration de sauvetage. Ici, on a du bois, en fait, il y a la pollution, il y a les choses naturelles. Thank you.
species in the world. In the Antarctic, there is evidence to say that there is around 400 million tons of krill, and they've replenished very quickly. So the krill fishery was born thinking that there would be plenty of krill for everybody. The annual catch limit in the area is 1% of the biomass, which leaves 99% for species that feed on krill. But if you look closer and deeper into the numbers, you'll see that a lot of conservationists are concerned with the amount of concentrated krill fishing that's happening. A krill vessel directly competes with wildlife, and in so doing, directly impacts that wildlife. The fishery is fishing over and over in certain areas close to the coast, and where on one side the ponds, for example, penguins, and on the other side are areas that are very popular for reporting of whales. In the end, it's not so important how much krill you strength, but when and where. We are seeing studies that are showing up saying that it's having a negative effect on penguin populations, but it has yet to be determined what the level of impact is. But there's the whole other beast, which is climate change, and we just don't know the extent of how krill is going to be impacted by climate change. And that's why it's so important to keep our eyes on the Antarctic krill fishery as it continues to expand. Filmmaker, you will see later, an amazing film. So, one of our Ocean League has been for quite some years, and we owe them all the credit. In 2007 and officially opened in 2008, and I've been the director there since then. Field course, and we have about 20-30 students coming and staying for 10 days in Husvik for that. And where are we? We are in the Arctic, and you see Iceland below, and if we zoom in, then we have Iceland here, and northeast is by Husvik, and it's by the bay called Skjalfandi Bay. And Nils Einarsson, he wrote an article a few years ago. It was called From Good to Eat to Good to Watch, Whale-watching Adaptation and Change in Icelandic Fishing Community. It's called Talaqua, the Whale, a Dance of Grief. I made the film in 2021 and 2022 with a Lithuanian animation studio. And for those of you whom I know, who know my mother, Amy, she actually conducted the soundtrack that you'll hear, which these apex predators, technically members of the dolphin family, are sometimes called killer whales, but there is more to them than their aquatic dominance. Their brains are among the largest on the earth, and they are renowned for their sense of play, curiosity, and intricate social structures that last a lifetime. While we are only beginning to understand the nuances of how they socialize, what we do recognize is how powerful a bond exists. Continue. Merci. Merci.
Plastic Cleanup Day 2024. Revaluation Rescue Ocean Cap 3000. Plastique, revalorisation. Sauvetage l'océan, Rescue Ocean Cleanup Day, Cap 3000. Plástico, revalorização, resgatar oceano, Cleanup Day 2024 Cap 3000. Plastik, wiederverwerten. Ozeanrettung, Cleanup Day 2024, Cap 3000.